Tu tousses? Non, je tousse pas. Ah bon? Alors tu tousses pas. Mais c'est souvent que tu tousses, non? Mais de quoi tu parles là? C'est comme ça que tu crois que tu vas me séduire? Alors je préfère te le dire tout de suite, ne te fatigue pas inutilement. C'est le contraire qui se passe, j'ai juste envie de te tuer. Si je te dis que je ne tousse pas, je ne tousse pas. Point final. Passons au chapitre suivant. Ah non. Bah alors tu touches pas. Non mais tu crois quoi là? Tu crois que je vois pas ton petit cinéma? Est-ce qu'il serait possible de parler d'autre chose que de ma toux? Ma toux à moi? Ou plutôt le fait que je tousse pas parce qu'à t'entendre on croirait que t'as envie que je tousse. Je comprends pas ce que tu me racontes là. J'ai passé une super bonne nuit, je suis tranquille, là, je bois mon café, je mange ma brioche. Je me demande simplement si tu tousses, et puis tu m'agresses alors que... Tu veux que tu signes ton crime, là? T'es bien fils de ta mère, hein? Moi je... Tu t'intéresses qu'à toi. Tu crois que ça s'appelle s'intéresser à l'autre, ça? Ça s'appelle... chercher des poux dans la tête de l'autre, ça s'appelle... Envoyer des mauvaises ondes. Tu crois quoi? Que tu m'aides, là? C'est toujours comme ça de toute façon avec toi. Je sais même pas pourquoi je m'étonne. Hein. Jamais un compliment, jamais un mot gentil, quelque chose de doux. Ou de réconfortant, de tendre, que des critiques, que des reproches. C'est tout ce que j'entends à longueur de journée. Et je suis pas assez ceci. Et je ne suis pas assez cela. Ou trop ceci, ou trop cela. À t'entendre, tu es l'image même de la... Perfection, toi. Rien de cloche chez toi. Aucune hésitation, aucun acte manqué. Mais ça existe pas, ça, dans la vraie vie. Ou alors, quand on devient un robot... Méfie-toi parce que je pense que c'est toi qui as un problème, tu sais. Je pense que c'est toi qui n'es pas normal et pas le contraire. Sinon pourquoi tu serais là, là, à me harceler de bon matin? Oui, monsieur, à me harceler, c'est le mot exact, de bon matin. Avec des histoires de tout. De tout qui, en plus de ça, et compte du ridicule, existe que dans ta tête. T'as raison, elle est bonne la brioche. Quand même. Enfin, je te trouve un peu bizarre ce matin, non? Allez, va. Je ne te hais point. Thank you.
Eh, hey, oh. Eh. Hey. Eh Ça va, t'as bien dormi? Ouf, je suis pas très en forme là. Hein? Je suis un peu malade. Oh là là. Je vis avec une malade, moi. Mais t'es toujours malade, faut arrêter. Tu devrais plutôt me prévenir quand t'es pas malade. Et puis malade, c'est quoi? C'est avoir soi-disant de la fièvre, ou je sais quel autre bobo, je sais pas, parle-moi d'un cancer avec des métastases. Ça, c'est être malade. Le reste, c'est rien. Ça n'a même pas de nom d'ailleurs. Malade. Ah bon? Si, ça peut s'appeler être enrhumé ou un peu grippé, mais malade. T'emploies toujours les grands mots. Alors, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Eh ben, faut te secouer, c'est tout. Secoue-toi. Parce que moi, j'en ai marre. Je passe mon temps avec une blessée de guerre alors que t'as rien. Strictement rien. Toutes les urgences médicales et tous les SOS médecins de Paris, de province même, on les connaît. Qu'est-ce que je raconte? Du monde. Du monde. Moi j'oubliais, du monde. Parce que madame, la France ça lui suffit pas. Il lui faut le monde. Mais tous te l'ont dit, tu n'as rien. Tu m'entends? Rien. Pas l'ombre d'une maladie. Si. Même à Venise. Où des gens normaux vont en amoureux pour faire un tour en gondole. Nous, on s'est retrouvés dans la gondole des urgences conduite par des pompiers. Et tout ça pour quoi? Pour rien. Tu te rends compte? Et même à Venise, t'as réussi à nous pourrir l'existence? Venise? Mais personne ne penserait à y aller pour aller visiter les urgences. Mais j'étais malade. Nous, si. Nous, si. Eh ben, nous, si. Nous, on va visiter les urgences. Et tout de suite après, on rentre chez nous. Mais ça, c'est normal. On y va que pour ça, de toute façon, des spécialistes. On est devenus des experts. On est des experts des urgences du monde. On connaît toutes les urgences du monde entier. Et tu sais quoi? On pourrait même créer un TripAdvisor des urgences. Avec des notes. Des classements. Conseiller les amis. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On leur conseille déjà les meilleures urgences du monde. Tu vois où on en est? Tu t'écoutes trop, en fait, hein. Tu me fatigues, tu vois. Et tu sais quoi? C'est moi qui vais me coucher. T'as pas mis ce pourri. Voilà, plutôt. Thank you.